Le corridor Kodjaran-Kourou-Madou est devenu un cauchemar pour les usagers à cause de son état très dégradé en cette période hivernale. Des gros nids de poules, des flaques d'eau stagnantes se sont formées sur la chaussée. Conséquence, la circulation des véhicules et des motos est devenue une affaire. Nous avons souvent peur de transporter les bagages. Avant-hier, un de nos véhicules rempli de marchandises s'est renversé à cause du mauvais état de la route. 18 kilos. Ce tronçon de 18 kilos est plus que 200 km. Nous passons parfois 2 heures en cours de route. Ce pont situé entre la sous-préfecture de Kodjaran et Konadou-Komana n'est plus que l'ombre d'elle-même. À chaque tombée de pluie, plusieurs cas d'accidents, souvent mortels, sont enregistrés. Deux véhicules sont tombés récemment dans ce pont. Quand il pleut, l'eau envahit le pont et les usagers ne distinguent pas bien la route. C'est pourquoi ils finissent leur course dans la rivière. Suite à cette situation alarmante, certains citoyens ont du mal à contenir leur colère. Ils dénoncent le passage régulier des engins de la société minière de Mandiana sur ce tronçon. Tous les véhicules poids lourds de la société passent par cette route, mais ils sont incapables de la gratter. Pourtant, ce sont ces engins qui gâtent la route. Après plusieurs doléances auprès de cette société minière pour le reprofilage de ce corridor, sans succès, ces citoyens lancent un appel aux autorités de la transition. Que l'État nous aide à réparer cette route. Si la société qui exploite nos ressources minières refuse de le faire. Outre ces tronçons Kodjaran-Kourou-Madou, les routes de plusieurs autres localités de Mandiana sont dans un état pété. Circuler sur ces routes en saison des pluies relève d'un véritable parcours de combattants.